Bonjour à tous, c'est Brian, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Alien Isolation pour l'épisode 31. Donc on continue notre let's play. Alors, donc, on se dirige là-bas. Pas de bruit. Ouais, je sais pas pourquoi. Surtout en plus on a rien pour se cacher, super, et je vois que ma caméra elle a déjà plus de batterie. En même temps elle était pas rechargée entièrement, donc bon. C'est un peu de ma faute. C'est ça qu'il me faut du coup, hein. Ce que j'ai passé le détecteur, ça a sonné ça. D'aller là, on va aller là directement. Hein. Ils disent aller là-bas. On va aller directement, voilà. Et voilà. On va pas faire le ouf. Hein. Alors n'hésitez pas à liker ma page Facebook, mon Twitter, et c'est pas encore amené à ma chaîne YouTube. Vous pouvez vous abonner, ça ferait toujours plaisir. Sauf qu'on arrive près des 300 là. Ça a du mal hein, avec la nouvelle réforme et tout de YouTube. C'est normal que un coup ça augmente, un coup ça baisse. Bon. Ok. Putain, ta race. Reviens là. Oh non, on revient pas là. Ça a bugué. Ça a bugué. Putain, non mais nique ta race toi. Wesh, non mais les trucs là, ça abusait. Bon. L'autre ira l'autre si je l'attaque, lui va me faire niquer. Putain, ça me casse les couilles, ça par contre. Comment je vais faire? Parce que là, là il y a rien du tout, je parie en plus. Il est où ce con? Putain. Il est là, il devrait pas être là. Il est là. Wesh. Apollo
Ah, normalement là il y a un truc pour sauvegarder, je me rappelle. Là-bas. Voilà. On va sauvegarder. Oui. Donc après. Sauf que c'est pas ici qu'il faut. Hein. S'il y a rien pour tourner en plus, faut aller là-bas. Hein. Alors, on va passer par où là? On va passer par là. Hein. Après, ouais, je réfléchis. Hein. Ah, non, c'est pour se cacher. Il est où ce con? Putain, je l'ai entendu. Quoi ce bordel? Ok. T'as là pareil, y a deux trucs, ça j'aime pas. Merde, putain. Putain de ta race. Oh lolo. Ah bon bah j'ai plus de batterie. Putain. Où ce con, mais il est où?
Oh, je suis mort. Ah, mais juste ça, le bruit que ça fait. Donc c'est là. Non, c'est pas là le con. Oh, il y a une sauvegarde, attends. Oh. Voilà, on se regarde là. Ok. Merde, non, mais non, pourquoi il est mignon lui, putain. Oui. Faire niquer. Coucou toi. T'es joli toi. J'ai plus de trucs moi. Oh, fais chier. Bon, je suis mort, hein. Putain, me faut vraiment un truc, hein. Je suis vraiment dans la merde là. Donc c'est là. Trouver une ambulance S. Ok. Celle-là. Alors ça, 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 et ça. Les coordonnées sont déjà dans le système. Appuie sur le bouton. Et toi? Allez. On y go, lance le truc. En fait, on va s'en aller, c'est ça. C'est ça. Sauf que l'île va aller dessus. Logique.
Et voilà. Je pense que c'est pas mal. Hein. Donc voilà, navet. Regarde Toujours autour en de toi. méfiance. À peine. Rip, tu te déplaces hors de portée. J'ignore combien de temps la connexion va tenir. On va sauvegarder, hein? Voilà, et on va rester là. J'espère l'amnésie aura. Ok. En fait, c'est un autre truc, je pense, les adorants. Oui. Donc voilà. 25. Ouais. On va s'arrêter là pour cette vidéo. On se sera pour une. Oh, quoique 25, mais on a fait quelques coupures et tout. Ouais, on va essayer de comment. On va essayer de continuer, hein. Est-ce qu'il y a des plans quelque part? Déjà, est-ce que on peut prendre un truc? On a deux tasers là. Ok, là y a rien. On entend des bruits, hein. Bon, on va essayer de voir. Explore. Je sais pas où on va, mais on y va. Notre chance est peut-être enfin revenue. Ces deux dernières années, on a vraiment eu du mal à joindre les deux bouts. Et l'année suivante verra comment ça ressemblait aux épaves qu'on explore. On peut pas dire que l'équipage ait fait mieux. Et puis on a trouvé cette boîte noire. Elle appartient à un vaisseau, le Nostromo, propriété de Weyland Yutani. Ce qui veut dire qu'il y aura une récompense. Mais Marlowe a une idée encore meilleure. Déduire la trajectoire de la boîte noire pour essayer de remonter jusqu'à l'épave. On a eu du bol. On est tombé sur un signal de détresse et on le suit en ce moment. L'heure est venue. Je le sens jusque dans mes tripes. Il ne me laissera pas tomber, il l'a toujours dit. Y a rien. Là, ok. Oh, carburant. C'est du carburant. C'est qu'il y a encore des aliens. Voilà.
passe là. Ok. Alors, rapport 1. 4, alors, 45-10. Ok. On est à l'extérieur de Sébastopol. Marlow et Foster ont été les premiers réveillés. Elle avait l'air éprouvée. Dix et moi sommes sur le point de prendre la navette vers la station. Mais je crois que ça implique de briser les procédures de quarantaine, non? C'est le vaisseau de Marlow. C'est la femme de Marlow. Les choses ont un peu dégénéré et Nix s'est pris un pain. Donc, je sais pas. Hop, hein, peut-être que les docteurs lui donneront le feu vert et que tout reviendra à la normale. Mais si je doute d'un truc pas clair quand on pose le pied à bord, je n'ai rien à voir à faire là-dedans. Hop. Marlow nous paie trop peu pour ce genre de plan. Ça remet, on a mis l'électricité en marche là, je pense. Je pense, vu qu'on s'est fait. Porte fermée. T'as le box à fait toi. Hop là. Ok, c'est pour activer celle-là en fait. Ricardo, si tu m'entends, j'ai remis les systèmes d'énergie de base de la NSC de rang en ligne pour que tu puisses activer toutes les lumières. Aucun signe de Marlow. Ok, là pour l'instant, y'a rien. Salut, Ripley. Je te souhaite la bienvenue à bord de la NSC de rang. Marlow ? T'es où, Marlow ? Merci d'avoir remis le courant. Tu m'as évité d'avoir à le faire moi-même. J'avais juste besoin d'être hors ligne un petit moment. J'avais quelques réparations à faire de mon côté. Oh, c'est pas bon ça. Toi, une Marlow. Notre chance est peut-être enfin revenue. Ces deux dernières années, on a vraiment eu du mal à joindre les deux bouts. Mais on l'a déjà entendu, lui. Pourquoi on lui refait entendre? Et la Nefidora commence à ressembler aux épaves qu'on explore. On peut pas dire que l'équipage ait fait mieux. Et puis on a trouvé cette boîte noire. Elle appartient à un vaisseau, le Nostromo. Propriété de Weyland Yutani. C'est bon. Ça veut dire qu'il y aura une récompense. Bon, du coup, maintenant, alors. Et Marlow a une idée encore meilleure. Lire la trajectoire de la boîte noire pour... Tu veux peut-être rejoindre ton équipage? Il reste encore pas mal de place à dispo. Réglez sur un signal de détection. Marlow m'a tué. Il avait promis de te donner plus d'infos qu'il avait sur la créature pour que je les rapporte à la compagnie, mais... T'es là? Marlow. Non, pas ça. Ce que personne n'a les couilles de faire. T'as qu'à venir me chercher, Ripley. J'ai quelque chose pour toi. Oh putain, là j'ai chaud. Là, faut que j'arrive à prendre des trucs qui me servent. Terre, ok. Ça, c'est une radio. Là. Ok. Anessidora, ici le Marshal White de Sébastopol. Officiellement, je devrais refuser votre demande d'amarrage. Sébastopol est actuellement en cours de mise en service. Et je... Le problème, c'est que... va compromettre la sécurité, ouais, pour des... On va retourner, on a retourné en arrière pour sauvegarder. Compte tenu de la propriété que vous avez récupérée, j'autorise un petit nombre de votre équipage à aborder via une navette à courte distance. Je dois vous rappeler que Sébastopol se réserve le droit d'annuler toute récompense liée à la restitution de ladite propriété une fois sur la...
d'arrestation. Ça va, ça va. Tenez-moi au courant de votre décision. Waits, terminé. Tac, on sauvegarde. Et ce sera pour le prochain épisode. Et voilà. Alors j'espère que ça vous aura plu. On se retrouvera pour un prochain épisode. Allez, salut !